Le brise-glace en formation ou icebreaker est utilisé pour permettre aux apprenants et formateurs qui ne se connaissent pas de se découvrir. Il s'agit d'une méthode d'animation de démarrage de session. D'après la définition de Klaxoon, que ce soit pour un atelier de travail, une formation ou une simple réunion, à distance ou en salle, il est toujours intéressant de briser la glace, faire connaissance ou se découvrir ou redécouvrir pour permettre à une équipe de bien démarrer une session de travail. L'idée est de dynamiser un groupe. Il existe alors plusieurs typologies d'icebreaker pour une animation synchrone pouvant être présentielle ou distancielle. Le brise-glace amorce le démarrage d'une session pédagogique. L'enjeu est donc de permettre aux apprenants de s'ouvrir au reste du groupe pour faciliter les futurs échanges qui auront lieu au cours de la session. L'idée est donc de préparer des petits jeux comme par exemple des portraits chinois, si vous étiez un animal, un plat, une chanson, etc., un quiz, des témoignages ou toute autre animation permettant l'engagement individuel et collectif du groupe. Le formateur doit guider les apprenants pour permettre une méthodologie qui soit simple et comprise par tous, par exemple un brise-glace sous forme de blind test. Le brise-glace doit être fun et court. Chacun doit se trouver à l'aise avec la thématique afin que tout le monde puisse participer. Le brise-glace doit durer entre 10 et 15 minutes.